Radio Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur. Radio Bonjour Lagos, la radio de la francophonie au Nigeria. Bonjour, je m'appelle Serge Alasmar, en classe de terminale S, spécialité mathématiques. Je vais lire 60 années de Damso. Donc, oui, l'alcool est le chemin le plus court vers l'adultère, honnêtement. Puceau en chien sur une meuf plus âgée qu'il avait déjà fait, donc j'ai fait semblant de l'avoir fait pour faire le grand. Pourtant j'étais petit, après j'ai compris que quand je serai grand, je regretterai tout ce qui s'est passé. Car finalement, j'ai passé ma vie à vivre à peine, de joie mais plutôt de peine. Je crois que le temps passe vite, mais qu'on n'oublie rien de ce qu'on a raté. La vie ne fait que 60 années, pour profiter, il faut pécher. Donc on hésite, puis on se fait chier, donc on médite pour exister. Donc on s'évite pour se retrouver, après il faut juste laisser aller. Pour toi la mort s'est faite toute belle, pour un rencard d'un mariage forcé. Cherche au canon sur la sonnette, appuie sur le bouton à l'aveuglette. Je vais profiter, quitte à pécher, car la vie ne fait que 60 années. Oh là là, oh là là, oh là là oui, 60 années. Oh là là, oh là là, oh là là oui, bah oui, hey. Les jeunes d'aujourd'hui m'ont dit, Dems, on veut la montre, faut que le temps, pensant que le temps court après la montre, sauf que les aiguilles s'arrêtent avant. Mets ta ceinture, mais sache que tu peux mourir au moindre accident. Crois pas que c'est simple, crois pas que c'est dur, crois juste en toi, crois pas les gens. Je viens de la rue, de la belle étoile, pour vivre dans l'abus, hôtel 5 étoiles. Des fois je me regrette, quand j'y repense, je fumais mon patch. Ma gourdonne me manque. Le futur existe que parce qu'on y croit. Si demain s'arrête, je te reconnaîtrai mieux. Je parlerai de moi comme si c'était toi, je parlerai de nous comme si c'était eux. Pendant qu'on se rapproche, pour refouler, puis faire semblant d'à nouveau s'aimer. La mort si vieille s'est fait rebelle, pour un standard, comme un standard veut improviser. Cherche un canon sur la trompette, appuie sur le piston à l'aveuglette. Je vais profiter, quitte à pêcher, car la vie ne fait que 60 années. Oh là là, oh là là, oh là là, oui, 60 années. Oh là là, oh là là, oh là là, oui. Bah oui, 60 années. Merci. Donc, il y a plusieurs références philosophiques différentes. Ce n'est pas un concept philosophique qui est développé tout au long du texte. Donc déjà, il y a une référence à la mort. Damso dit que la vie ne fait que 60 années. On pourrait paralléliser ça avec l'âge de la retraite qui est autour de la soixantaine. Et comme quoi, lorsque l'on ne travaille plus, on ne vit plus réellement. Un petit peu cette idée de l'homme nécessite cette idée de travail, d'activité dans la vie sociale afin de pouvoir sentir qu'il vit. Ensuite, il dit à un moment, la vie ne fait que 60 années, pour profiter il faut pécher, donc on hésite puis on se fait chier, donc on médite pour exister. On médite pour exister, qui est une référence directe à la philosophie de René Descartes, je pense donc je suis. Il médite pour penser afin de pouvoir sentir qu'il existe réellement. Ensuite, il parle de l'omniprésence de la mort et de la puissance de la mort. Lorsqu'il dit « Pour toi, la mort s'est faite toute belle pour un rencard d'un mariage forcé. » Donc, la mort, elle est belle parce qu'elle est en quelque sorte une idée, elle est sublime en quelque sorte. Elle arrive quoi que tu veuilles, d'où l'idée du mariage forcé.
quelque chose que tu n'as pas le sort sur, tu ne peux pas décider si tu veux te marier ou pas quand c'est un mariage forcé. Bah là, tu peux pas décider si tu veux mourir ou pas. Au final, tu vas mourir, quoi que tu veuilles. Du coup, il parle de l'idée qu'il veut profiter de sa vie, quitte à faire de mauvaises choses, parce qu'au final, à la fin de ses 60 années, tout ça n'aura plus de signification pour lui. Ensuite, à un moment, il dit, les jeunes d'aujourd'hui m'ont dit, Dems, on veut la montre, faut que le temps, pensant que le temps court après la montre, sauf que les aiguilles s'arrêtent avant. Cela montre que, en dessous de l'âge de 25 ans, les individus ont cette idée de puissance sur le temps, de domination sur le temps. On pense qu'on a tout le temps devant nous, qu'on a toute notre vie devant nous, donc on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Alors qu'en réalité, passé ce cap des 25 ans environ vers la trentaine, on commence à réaliser qu'il y a plein de choses, plein de projets qu'on n'a pas pu accomplir, plein de choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire. Donc en réalité, le temps nous domine, on ne domine pas le temps. Et qu'au bout d'un moment, enfin, il faut, c'est-à-dire que les aiguilles, il utilise la métaphore des aiguilles pour les aiguilles incarnant le temps, et il dit que les aiguilles s'arrêtent avant que le temps ne s'arrête, pour montrer que cette idée matérialiste qu'on a du temps est en fait rien par rapport à l'idée suprême